Donc on est un groupe de danseuses, nous sommes situés sur la Jarrie, on y est depuis 2009 et au départ nous avons débuté à 4 danseuses et nous avons voulu faire connaître la danse polynésienne et la culture polynésienne auprès des Rochelais et nous avons fait passer des messages, nous avons essayé donc au travers de différentes manifestations. Aujourd'hui en 2013 nous sommes 40 danseuses et nous organisons chaque fin d'année un spectacle sous forme de gala ou je dirais plus précisément une brunch tahitienne où nous avons un maha, donc un repas, et le spectacle qui se fait tout au long donc de la soirée au rythme donc de la musique tahitienne. À côté de moi j'ai donc Alexandra qui est prof bénévole depuis 2009 et qui grâce à sa passion pour la culture polynésienne et la danse tahitienne nous fait découvrir chaque année de très très belles choses. Et je voudrais aussi dire que vous pouvez nous retrouver donc sur notre page Facebook au nom de l'association Vaineori Tahiti. Vous pouvez également nous voir sur Web TV. Et je vais laisser un petit peu la parole à Alexandra qui va vous expliquer très brièvement ce qu'est réellement la danse tahitienne. Merci Cathy. Donc Cathy qui est la présidente de notre association. La danse tahitienne en fait, ou la danse polynésienne, est composée de plusieurs danses. La parima qui est en fait les danses qui représentent une danse lente, fait en groupe de filles et tout au long de cette danse on mime ce qui est en fait chanté dans la chanson. On raconte un petit peu des légendes ou des histoires de vie polynésiennes. Pour faire bref, il y a l'OTA. OTA, c'est ce qu'on pourrait dire nous en France, les danses guerrières. Comme vous pouvez voir, comme on est habillé là tout en noir, donc on a dansé un OTA ou un haka, comme on peut dire en Nouvelle-Zélande aussi, donc les danses guerrières qui peuvent se danser en groupe de filles, en mixte ou en groupe d'hommes. Et puis le tamouré qu'on connaît bien souvent, donc une danse de couple qui est un homme, une femme. Voilà, on fait également des chants, on apprend à nos danseuses à fabriquer leurs costumes et on essaye aussi de leur apprendre la culture et le parler polynésien à travers la danse et à travers les diverses manifestations qu'on peut faire et également l'art culinaire. Vous pouvez nous retrouver sur Web TV Info et notre page Facebook Vaineori Tahiti. Maruru. No more.
Ore, ti are
Thank you.
Bravo. Eh bien, Cathy, tu vas nous expliquer.